Et bonsoir à toutes, et ben on se retrouve en ce vendredi soir en direct sur YouTube. Et ben écoutez, on va laisser arriver quelques personnes encore, vous installer tranquillement, alors peut-être avec une bière, peut-être avec un verre d'eau, avec un thé, un café, je ne sais pas. C'est la deuxième discussion confinée qu'on réalise sur la chaîne YouTube de Conscience. En ces temps, bien sûr, de crise sanitaire. Et d'ailleurs, ce sera un peu le sujet de ce soir. Et pour co-animer effectivement ce petit temps de discussion ensemble, eh ben, je serai accompagné de mon collègue Yann. Salut Yann. Et bonsoir, enfin, petit temps, on a quand Oui. même pour 1 heure et demie ensemble. Alors, on a quand même 1 heure et demie, c'est vrai, de discussion. On a un petit temps, mais c'est vrai que pour discuter du sujet de la soirée, qui est quand même un gros sujet, et d'ailleurs, je pense qu'on refera, déjà, hein, pour vous le dire, hein, on va refaire sans doute une ou deux discussions confinées encore autour de ce sujet, voilà, pour aller un peu plus loin, parce que je ne pense pas qu'on aura vraiment le temps de tout aborder, parce que le programme est chargé, mais voilà, hein, ça sera sans doute une ou deux autres discussions confinées. De toute façon, on a le temps, hein, je tiens à dire, on a le temps de Ah oui, faire ça. on est encore confiné pour un petit paquet de temps. Maintenant, une question pour une première question. On a vraiment une question complexe. Qui est complexe, Voilà. exactement, exactement, qui est complexe. Et alors Yann, justement, tu peux peut-être nous dire un petit peu de quoi on va parler, exactement. Là, on va parler donc on va dire peut-être de la mère des batailles. Quel est le lien entre le Covid-19, nouvellement invité dans nos vies, et la biodiversité? Ouais. Est-ce qu'on peut expliquer bah, l'arrivée de ce virus par la biodiversité comme clé de lecture? Et avec nos invités que tu vas présenter, on va pouvoir avoir des éléments de réponse et on va voir que c'est peut-être encore plus large que la biodiversité, enfin c'est sans doute plus large que la biodiversité, mais qu'on a vraiment quand même là une clé de lecture très importante. Ouais, tout à fait. Et pour commencer de suite dans le vif du sujet, alors juste la petite règle, le petit temps de la soirée, hein, ça va être d'abord nos invités qui vont présenter leur point de vue par rapport justement à la grande question de la soirée autour effectivement de ce lien entre crise écologique et crise sanitaire. Ensuite, bah, il y aura vos questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques. Hein, ce n'est pas forcément des questions d'ailleurs, hein, ça peut être aussi des points de vue, des choses que vous avez lues, des références que vous voulez partager. Le but de cette discussion confinée, c'est vraiment de partager ensemble par rapport à ce sujet-là. Donc vraiment, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas avec le chat. Nous, avec Yann, on a pas mal de questions, ça c'est sûr. On a aussi des réactions, des points de vue par rapport à ce qu'on a lu. Donc bien sûr, on va en profiter, nous aussi. Pour présenter un peu nos invités, alors je vais commencer juste en dessous de moi. C'est Jean-Baptiste Floch, donc qui est doctorant au Jardin botanique de Montréal, donc on a de la chance parce que là c'est une discussion confinée internationale, il faut le dire, puisque Jean-Baptiste il est au Québec là en ce moment. Salut Jean-Baptiste. Salut à tout le monde, bah, bien heureux d'être avec vous. Donc tu es doctorant en écologie microbienne, hein, on revient, ouais, voilà, on reviendra un peu dessus, je pense dans la discussion justement, on reviendra un peu dessus ce que tu fais concrètement. Et juste à ma gauche, hein, juste là, et ben nous avons Florian Olivier qui est professeur de philosophie au lycée. Et si vous étiez présent à la dernière discussion confinée, et ben vous connaissez Florian en fait. Hein. Donc effectivement, Florian qui travaille aussi un peu sur les éthiques environnementales et donc qui abordera ça justement dans le cadre de son discours. Et bonsoir Florian. Bonsoir. Alors pour commencer tout de suite, ben, le mieux c'est peut-être que Jean-Baptiste, toi par rapport à cette grande question, hein, est-ce qu'il y a véritablement un lien entre la crise sanitaire et la crise écologique, toi par rapport justement à ton travail de recherche et ton regard de chercheur en écologie microbienne, qu'est-ce que tu en penses concrètement? Et peut-être tu peux nous apporter déjà quelques billes et on discutera après de tout ça. Ouais. Bon. Il est évident qu'on se situe dans un climat actuel au niveau de la planète et au niveau des sociétés humaines, d'un climat de crise et d'une situation de crise.
C'est-à-dire qu'on fait face à de multiples crises au même moment et qui découlent toutes d'un seul et même problème qui est comment est-ce qu'on organise notre production. Donc on a une crise climatique qui a été, c'est la première en fait qui a été mise en avant par le monde scientifique, qui était que notre globe terrestre se réchauffe à une vitesse anormalement élevée et qu'on n'avait pas vu ça depuis des millions d'années. Et ce réchauffement climatique dû à l'intensification des activités humaines se couple aussi à une crise de la biodiversité, c'est-à-dire que selon nombre de chercheurs reconnus dans le milieu, nous sommes entrés dans la sixième extinction de masse qu'a connue notre planète depuis le début du fait qu'elle héberge des êtres vivants. Ensuite, c'est couplé aussi à une crise sociale, parce que à partir du moment où on a nos écosystèmes qui commencent à enchaîner les échecs en cascade, on enchaîne aussi les échecs en cascade au sein des sociétés humaines, parce que on n'arrive plus à produire suffisamment pour pouvoir nourrir ou soutenir les inégalités inhérentes au système actuel. Mmh. Et on arrive au fait que socialement ce n'est plus tenable, politiquement non plus, et donc l'humanité actuellement se trouve en fait dans une impasse productiviste liée au système néo-capitaliste qui se situe sur trois plans. Un plan global et globalement géré par des phénomènes physiques, donc le réchauffement climatique comme je l'ai dit, un plan sociétal qui se traduit en fait particulièrement par une crise qui est la crise de la biodiversité, qui est justement la tragédie qui se passe dans la majeure partie des forêts, écosystèmes, déserts, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de biomes hébergeant des êtres vivants sur la planète. Et actuellement, nous faisons face à une pandémie qui est en fait la résultante de ces trois crises en même temps et qui est probablement, je vais pas m'avancer à affirmer des choses, mais l'apparition de ce SARS-CoV-2, qui est le nom barbare utilisé pour désigner le virus émanant du Covid-19, qui est en fait les symptômes créés par ce virus. Donc le SARS-CoV-2, lui, il fait partie de la famille des coronavirus, qui est une famille qui est connue depuis les années 1960 à peu près, et qui a la particularité d'être extrêmement plastique. C'est des virus à ARN assez rudimentaire. Ces virus à ARN ont la capacité qui est connue de faire des sauts d'espèces. C'est-à-dire que normalement, une espèce parasitaire comme un virus est lié à un autre. Bon, il y a des virus plus généralistes qui infectent plusieurs espèces, mais globalement, on peut vulgariser en disant qu'on a hôte et virus. Et au niveau de cette famille de virus, on a déjà eu d'autres virus comme ça, notamment l'épidémie de SARS, l'épidémie aussi MERS qu'il y a eu au Moyen-Orient dans les années 2007, et la communauté scientifique a déjà sonné à maintes reprises l'alarme en disant qu'il y avait des problèmes avec l'apparition et la fréquence d'apparition de ces maladies en provenance du règne animal qui s'appellent des zoonoses. Mmh. Voilà. Et ces zoonoses-là sont bien entendu plus fréquentes parce que l'humain empiète de plus en plus sur des écosystèmes et fréquente de plus en plus des espèces, notamment des espèces animales, qu'il n'avait pas à fréquenter auparavant. Tout simplement parce que leurs aires d'habitation n'étaient pas du tout en train de se chevaucher, alors que c'est tout à fait le cas en ce moment. Par exemple, si on prend le cas de la Malaisie ou encore de l'Indonésie, nombre de fermiers sont amenés à défricher la forêt secondaire équatoriale pour pouvoir ne serait-ce que mettre en place des plants de soja ou tout simplement des plantations d'huile de palme. Et au sein de ces plantations d'huile de palme, ils font la rencontre de diverses espèces et notamment une espèce en particulier qui a une chair relativement goûteuse qui s'appelle la chauve-souris. Et les chauves-souris sont connues depuis très longtemps pour être pour héberger un nombre assez impressionnant de symbiose virale, donc symbiose parasitaire virale. Et à partir de ce moment-là, quand on commence à chasser la viande de brousse, donc que ce soit des singes ou
des chauves-souris et qu'on souvent on les capture, on les fout dans des cages et puis en attendant de les abattre, on les fait coexister, il est très probable que pendant l'abattage, on puisse contracter par échange sanguin ou tout simplement par viande mal cuite ou quoi que ce soit, une zoonose qui est justement un saut d'espèce entre une maladie dédié justement à un animal vers l'être humain. Très bien. Peut-être qu'on va, avant de réagir justement à ce que tu nous as indiqué, parce que là tu as posé déjà plusieurs problèmes, Jean-Baptiste, on va laisser peut-être intervenir Florian, donc, oui. Plus sous un angle philosophique, hein, Florian, sur peut-être notre rapport justement à la biodiversité. Aux biodiversités et puis ensuite on débattra et puis on verra si vous avez des questions sur le chat bien sûr ou des réactions par rapport à ce qui a été dit. Donc je te laisse la parole, Florian. D'accord, merci. Oui, moi je voulais indiquer effectivement notre rapport, on va dire, alors effectivement là on a parlé de la biodiversité, mais c'est de la manière dont on voit ce que l'on appelle plus ou moins malencontreusement la nature qui pose question, puisque ce qui est présenté actuellement, souvent, enfin actuellement dans les débats, ce que j'ai lu, entre autres, c'est sous la plume de certains journalistes, plus que de scientifiques, c'est l'idée qu'effectivement, la transmission de virus est causée par des espèces sauvages, qui seraient en quelque sorte responsables de cette transmission, comme si ces espèces ou ces animaux avaient la volonté de nous transmettre un virus, qu'ils en étaient en quelque sorte, qu'ils en portaient en quelque sorte la responsabilité, que du coup il allait falloir maîtriser cette chose qui est présentée comme la nature, qui est vue comme une diversité dangereuse, porteuse de pathogènes, qu'il va falloir effectivement, qu'il faudrait endiguer et maîtriser. Et dans ce cadre-là, c'est une vision qu'on appelle aujourd'hui, entre autres, le naturalisme, donc l'idée qu'effectivement, il y aurait l'espèce humaine qui se distingue par la possession d'une intériorité ou d'une âme, ou en quelque sorte, ce serait la seule, ce serait une espèce qui se distinguerait de l'ensemble des autres espèces vivantes. Et les autres espèces vivantes auraient certes des physicalités, des apparences différentes, mais ne disposerait pas d'âme ou mériterait peu de notre attention à cause de cette absence justement d'âme. Et du coup, on ne s'en soucierait pas, ou la seule manière dont on doit s'en soucier, c'est pour la maîtriser justement, l'endiguer. Et cette manière de faire, elle se traduit aujourd'hui actuellement avec l'apparition effectivement d'un souci pour les questions éveillées par l'écologie. Mais l'écologie va se présenter justement comme à présent comme la justification de politiques autoritaires. C'est-à-dire que si maintenant l'État ou le gouvernement ou les sociétés se soucient des questions écologiques, c'est parce qu'en quelque sorte ils y sont contraints et qu'ils vont contraindre ou qu'ils souhaitent contraindre le reste de la population à ces soucis-là, à ces questions-là, ce qui fait qu'on aurait plutôt affaire effectivement à l'apparition d'une écologie, on va dire, à tendance autoritaire, où les techniques, par ailleurs, les techniques industrielles apparaissent comme un élément d'une solution vis-à-vis de cette écologie, de ce vivant un peu difficile à maîtriser, et où justement la multiplication du télétravail, la modification du climat par... l'ingénierie du climat, par exemple en voulant modifier la capture de carbone dans l'océan en y insérant certaines particules qui l'augmenteraient, ou il y a un ensemble d'expériences qui sont mises en place dans la géo-ingénierie pour la modification du climat, pour justement endiguer ce problème qui est mis en avant de la... du réchauffement climatique, de ce qui est présenté comme le réchauffement climatique. Et ça, c'est, on va dire, la tendance qui est mise en avant par les sociétés actuellement. Et là, on se doute qu'éventuellement, après
le confinement, il y ait donc c'est des pratiques un peu autoritaires dans ce sens-là, et du coup le confinement a servi un peu de la population, nous, nos activités, on a servi un peu d'expérimentation, de cobaye à ces politiques-là, puisqu'on a du coup mis en masse et très rapidement en place la possibilité de télétravail quand c'était possible, et pour ceux qui ne l'étaient pas, on les a laissés effectivement s'exposer à des dangers parce qu'il n'était pas possible de faire autrement sur le moment, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de faire, etc. Donc ça, on va dire, c'est la première perspective très naturaliste et très avec une volonté très maîtrisante, enfin de maîtrise vraiment de la des vivants. En réponse à cette perspective-là et d'une autre manière, on a une autre hypothèse qui se passe, qui pose problème aussi, qui est ce qu'on pourrait résumer par la revanche de Gaïa. C'est-à-dire que pour une autre lecture vis-à-vis de ça consiste à dire qu'actuellement, la Terre, après appelée du coup, par certains Gaïa, se vengerait de ce que lui a fait subir l'homme pendant, ou l'espèce humaine plus exactement, pendant de longues périodes. Alors cette hypothèse Gaïa, elle s'ancre parce que, elle s'ancre dans la mythologie, mais elle s'ancre aussi même dans les sciences, puisqu'on a eu des scientifiques comme James Lovelock qui ont mis au point une hypothèse Gaïa qui visait à considérer la Terre comme un être vivant dans son ensemble. Mais cette hypothèse Gaïa, elle a plusieurs lectures possibles. On va dire qu'il y a une lecture forte et une lecture faible, et que les partisans, on va dire, de la revanche de Gaïa auront une lecture forte de l'hypothèse de Gaïa, et quand ils parleront de la Terre, dans le cadre d'une hypothèse Gaïa, ils en parleront comme si elle avait une volonté, comme si elle était dotée de la capacité effectivement de se venger, de cibler sur l'espèce humaine sa vengeance. Et en même temps, les partisans, on va dire, de cette hypothèse-là vont aller jusqu'à considérer éventuellement l'espèce humaine comme une sorte de virus, indépendamment de ce que peut signifier virus d'un point de vue scientifique. Ils vont effectivement considérer qu'il faut se débarrasser de l'homme, de l'espèce humaine, que c'est lui qui pose problème principalement dans ce système-là, et qu'il faut passer à autre chose. Donc ça, on va dire, c'est deux grandes perspectives qui sont en place, qu'on peut entendre résonner assez rapidement. Et je pense que justement, il faudrait avoir la possibilité de réviser un peu ces perspectives-là. D'une part, en considérant que déjà la nature, les espèces vivantes ne sont pas simplement les objets de notre organisation, ils ne sont pas comme simplement là comme des choses qui attendent d'être déplacées ou qui sont le jouet de nos décisions. On reconnaît dans l'ensemble, parmi l'ensemble des espèces, le fait que certaines espèces aient un impact, par exemple, sur la géologie, sur le monde dans lequel on est, qu'on appelle par ailleurs, du coup, par exemple, des espèces ingénieurs qui sont douées d'activité, donc pas simplement des sujets passifs d'un système d'évolution. Et au-delà de la considération donc, de ces espèces qui peuvent tenir une part active, pour répondre à... Il y a aussi le fait que ce n'est pas, pour ainsi dire, de la volonté même des espèces de transmettre le virus, comme on peut le dire parfois, comme quoi les espèces sauvages seraient la cause du virus, etc. Puisqu'effectivement, comme ça a été indiqué par Jean-Baptiste, c'est essentiellement parce que ces animaux ou certaines espèces, certes, sont porteuses du virus, mais c'est à cause d'activités spécifiquement humaines, notamment l'industrialisation, la déforestation, enfin l'industrialisation notamment de l'exploitation animale, la déforestation, qui ont poussé ces espèces à se rapprocher, effectivement, soit d'autres espèces qui étaient elles-mêmes plus proches des humains qui ont du coup servi de vecteur, soit à se rapprocher des humains tout court et qui effectivement ont permis la transmission de certains virus jusqu'à présent. Et cette transmission-là donc n'est pas le fruit d'une volonté de ces espèces comme si elles étaient méchantes, agressives, qu'elles voulaient en finir avec l'espèce humaine et qu'il fallait s'en débarrasser, mais en fait est le résultat de notre propre, enfin pas de notre propre, comme si chacun on était tous responsables, parce que ça c'est un biais qu'on peut voir aussi dans certaines approches écologiques, c'est-à-dire de considérer l'espèce humaine comme si on était tous égaux dans la part d'activité que l'on avait dans l'activité humaine, alors qu'en fait dans l'espèce humaine il y a des individus, des organisations, des sociétés qui ont un impact plus ou moins important. Je rejoins ce qui a été pointé tout à l'heure rapidement, qui était
la responsabilité d'un capitalisme, par exemple, d'une organisation économique de la production qui va effectivement mettre en place, à travers certaines classes, certaines responsabilités, certaines actions sur la biodiversité qui vont la transformer. Et je pense qu'il faut et je finis là-dessus pour aller vite, il faut se décentrer effectivement du seul souci des êtres humains pour se soucier des êtres vivants en général, donc sortir d'un anthropocentrisme. Mais sortir d'un anthropocentrisme, ça ne veut pas dire considérer que toutes les espèces se valent, qu'en quelque sorte, ou qu'il faudrait toutes les considérer de la même manière, c'est-à-dire se considérer une araignée que l'on voit chez soi comme on considère une personne qui est à côté de nous ou autre chose comme ça, c'est-à-dire au moins les prendre en compte, sans soucier, et au-delà, en plus même de ces espèces vivantes dont on pourrait se soucier pour diverses raisons, soit pour, par exemple, parce qu'on aurait un pathocentrisme, c'est-à-dire on se soucie de la souffrance, ou plus exactement, avec un lien plus scientifique, du stress de certains êtres vivants, on pourrait aussi se soucier du fait que des êtres vivants veulent rester en vie, mais là, ça pose beaucoup de problèmes en termes de critères. Mais en plus de ça, je pense qu'il faut voir aussi la biodiversité comme étant pas simplement la biodiversité en tant que propriété, c'est-à-dire que, par exemple, si on vous présente un panier de fruits et on vous met plein de fruits différents dans ce panier, on vous dit, ben voilà, il y a une grande diversité de fruits dans ce panier, donc ça, c'est une première manière de considérer la biodiversité comme une propriété. Et une autre manière de considérer la biodiversité, c'est à travers l'histoire, à travers le temps, et de dire, voilà, il y a des conditions qui rendent possible la biodiversité. Ouais. Et ces conditions qui rendent possible la biodiversité, en plus de la biodiversité elle-même, il faut s'en soucier pour pouvoir prendre en compte ces espèces-là, donc leur habitat, toutes les conditions abiotiques en fait, qui permettent à ces êtres vivants d'être présents et d'avoir un certain nombre de relations, elles font partie d'un ensemble de questions qu'il faut prendre en compte, contrairement à ce qu'on avait tendance à faire, c'est-à-dire à les écarter, et qu'effectivement, ben, même les montagnes, même les rivières, ce qui nous paraît assez irrationnel au début à prendre en compte parce qu'on se dit ben, ils ne sont pas sujets au stress ou ce ne sont pas des êtres vivants, oui, mais parce qu'ils sont les conditions justement d'un ensemble d'êtres vivants et nous y compris, il va falloir peut-être prendre en compte effectivement ces conditions abiotiques qui permettent l'ensemble de ces êtres vivants. Et la dernière chose qui s'est rajoutée à tout ça, et je laisse la parole, c'est que malheureusement avec l'amplification par les activités industrielles du réchauffement climatique, et non pas simplement le réchauffement climatique, puisque oui, ça peut avoir lieu de manière cyclique, mais là, il est accéléré, eh bien, avec la fonte du permafrost, on a effectivement la possibilité, en plus, maintenant, d'avoir de nouvelles contaminations, de nouveaux liens avec des virus qui peuvent apparaître, que l'on pensait avoir disparu, ou des bactéries, et qui vont effectivement poser de nouvelles questions qui sont tout à fait récentes, puisque effectivement, ils font maintenant. Ouais, alors que cette fonte était prévue pour être plus tardive par les rapports. Mais en fait, elle est arrivée beaucoup plus tôt. Donc, ça pose de nouveaux problèmes. Donc, juste pour... merci à vous deux, hein, déjà, pour cette présentation. Et ça pose, je pense, quelques points de discussion pour la suite de notre soirée. Simplement sur le chat, donc il y a Nicolas qui nous pose une question, alors un peu générale, je ne sais pas si vous allez forcément pouvoir y répondre, c'est pas forcément totalement dans la thématique de la soirée, mais il nous pose la question, un virus est-il considéré comme un être vivant? Voilà. Donc, ouais, Jean-Baptiste. Oui et non. Un virus, c'est extrêmement difficile à déterminer comme étant vivant et c'est extrêmement difficile à déterminer comme ne l'étant pas. C'est-à-dire qu'un virus, de lui-même, il est incapable de vivre et de se reproduire, ce qui est la particularité de tous les êtres vivants qu'on connaît. Mais par contre, au sein d'une cellule infectée, il vit et se reproduit absolument sans aucun problème. Et il a même, enfin, le virus fait preuve d'une machinerie nucléotidique lorsqu'il a... soit qu'il soit doté d'ADN ou d'ARN, parce qu'il faut savoir qu'un virus, c'est quand même une petite brique, donc encapsidée par des peptides, mais une petite brique d'ADN ou une petite brique d'ARN. Et ces deux molécules sont les bases mêmes
de ce qu'est le vivant, c'est-à-dire qu'au sein du noyau de toutes les cellules vivantes, que ce soit des cellules bactériennes ou des cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules avec un véritable noyau, on trouve de l'ADN. Donc les bactéries, elles, n'ont pas réellement de noyau, mais elles vont avoir un code génétique qui va baigner dans un cytoplasme au sein de leur organisme. Et vous et moi sommes des organismes eucaryotes, et au sein de toutes nos cellules, on a un noyau qui comporte justement toute l'information génétique. Et le virus, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va injecter son information génétique, donc soit sous forme d'ARN, soit sous forme d'ADN, au sein de la cellule hôte, et il va l'infecter pour pouvoir utiliser justement les organites et les capacités des cellules, des cellules à pouvoir produire des composés organiques, c'est-à-dire ribonucléiques ou désoxyribonucléiques en cas d'ADN ou d'ARN, et il va pouvoir se répliquer. Et ça, c'est un comportement typique d'être vivant. Mmh. Alors, la question, en fait, au sein de la communauté scientifique est toujours pas tranchée. Donc ça veut dire qu'il y a des partisans qui disent que oui, c'est le cas extrême d'un parasite. C'est-à-dire que c'est en fait un parasite, souvent, par exemple, si on prend l'exemple du ténia, le ténia, il n'a pas d'yeux, il n'a pas de pattes, il n'a rien du tout, il a juste sa capacité à se reproduire et à capter de la nourriture au détriment de son hôte. Et un virus, ce serait en fait la même stratégie, c'est-à-dire un dénuement total de toute fonction accessoire et l'optimisation de la fonction parasitaire. Et d'autres qui disent que, en fait, non, ça serait plutôt une évolution totalement dissimilaire au vivant, qui en fait serait en fait une évolution propre aux composés chimiques tels que les acides nucléiques, donc l'ARN ou l'ADN, qui aurait muté, un peu comme la façon dont on mute et se reproduit un prion, et aurait formé des organismes qui ne sont pas vivants, mais qui interagissent avec. Et il n'y a pas de bonne réponse à ces deux questions. Yann, c'est-à-dire que... Le virus, donc on le voit, il tue, mais il y a des porteurs sains comme les chauves-souris. Pourquoi le virus ne tue pas la chauve-souris? Ou est-ce qu'il tue la chauve-souris? Tout simplement, là, en tout cas, lorsque vous êtes infecté par le Covid-19, en tout cas par le SARS-CoV-2, vous n'allez pas être tué par le virus. Le virus, lui, il va juste provoquer une réaction immunitaire énorme qui va en fait viser vos cellules épithéliales des poumons et qui va les détruire. Ça va créer des brèches et des lésions, et lorsque vous respirez de l'air, il y a des tonnes de bactéries dans cet air-là, qui normalement et d'habitude ne vous font rien lorsque vous avez un épithélium pulmonaire en bon état, mais qui, lorsque elles vont voir des lésions ou quoi que ce soit, elles vont s'y engouffrer, et les cellules immunitaires au sein de ces cellules de ce système malportant épithélial pulmonaire, elles ne vont pas forcément les reconnaître, et en fait on va avoir une immunodépression au niveau de cette couche épithéliale de cellules, et ça va favoriser l'apparition de pneumonie bactérienne notamment. Et en fait les difficultés respiratoires et les nids sous respirateurs sont dû en fait à une infection bactérienne. Et c'est pour ça qu'actuellement dans les hôpitaux, quand quelqu'un présente un symptôme respiratoire, on l'intube et on lui donne des antibiotiques pour éviter à tout prix que l'infection s'engorge et que ça aboutisse à l'asphyxie du patient. Et pour revenir sur le côté, donc ce dont tu parlais, Jean-Baptiste, et notamment sur la fragmentation des habitats. C'est vrai que la fragmentation par exemple d'un écosystème, donc sa destruction parce qu'on déforeste, parce qu'on construit une autoroute, etc., ça va te faire que tu vas avoir plus de contact en fait avec les animaux sauvages, ce que tu disais, et ça c'est vraiment l'échelle locale. Donc ça veut dire que concrètement c'est à l'échelle locale qu'il va falloir réfléchir, et donc ça veut dire qu'il va falloir mener et financer, et là j'aborde un point important, le financement de la recherche, il va falloir financer des études pour qu'on sache exactement en fait qu'est-ce qui se passe quand on détruit un écosystème, quand il y a cette fragmentation-là. Est-ce que tu vas avoir l'émergence de... Il y a déjà beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à cette question. Après, moi par exemple, je sais que la fragmentation forestière, c'est un sujet de recherche à part entière. La fragmentation des habitats aussi, notamment dans le domaine de la conservation animale et végétale, où on essaie de sauvegarder comme on peut, malgré la déforestation absolue, des patchs de biodiversité qui permettent de sauvegarder des couloirs pour
des couloirs de migration pour les oiseaux et animaux, ou tout simplement des réservoirs de biodiversité suffisamment grands pour éviter justement une destruction totale de l'écosystème, mais disons que c'est un peu des cataplasmes sur jambes de bois. Et de plus, au sein de cette fragmentation des habitats, notamment comme on a pu la constater, ne serait-ce qu'en France, hein, parce qu'il ne faut pas aller en Guyane française ou ne serait-ce que, oui. Je ne sais pas moi, dans les forêts malaisiennes pour pouvoir observer la fragmentation des habitats. Vous prenez le territoire français et vous Amérique avez une fragmentation Nord. De... Oui, ou en Amérique du Nord, en France. Du Nord. Ouais, ouais. En France, par exemple, tous les domaines forestiers ont été fragmentés de façon absolue et les animaux et les organismes vivants qui n'étaient pas des plantes, hein, parce que donc, vous allez avoir du mal à observer l'évolution et la mouvance d'une plante dans le temps, ne serait-ce du fait que c'est un organisme qui comporte des racines et qui n'a pas l'habitude de se crapahuter partout. Donc, vous allez surtout avoir des migrations animales, notamment d'oiseaux et de mammifères. Et ces oiseaux et mammifères, ils vont se retrouver, nous par exemple, on voit régulièrement des hérissons sur les routes, écrasés et tout plats. Ces hérissons-là, au départ, ils ne sont pas dédiés à être écrasés et tout plats sur une route. C'est-à-dire que normalement, ils suivent des corridors de biodiversité et ils sont habitués à un certain écosystème. Et si on arrive à une telle mortalité chez les hérissons dans les pays développés, c'est bien parce que on a fragmenter ces écosystèmes et qu'il n'est plus possible pour les hérissons de passer d'un biome à l'autre sans empiéter justement sur le biome humain. Et c'est ce que d'ailleurs on observe, tu parlais de la France, il y a eu des études sur la maladie de Lyme, alors je crois que c'est aux Pays-Bas, hein, juste à côté, mais où on montrait que la disparition et l'éradication des prédateurs tels que le renard va favoriser la survenue de zoonoses avec la maladie de Lyme transmise par les tiques, tout simplement tu as des développements de rongeurs qui sont des réservoirs à tiques, et les tiques sont des réservoirs à boréliose. En fait, ça fait partie du cycle de vie du parasite qui est, je sais plus, je crois que c'est un... Bon, je ne sais pas très bien quel est le parasite dû à la maladie de Lyme, soit c'est un ver, soit c'est un... C'est boréliose, alors je ne sais plus ce que c'est exactement. Écoute, je ne sais pas, soit c'est un organisme unicellulaire, soit c'est un ver, je ne me souviens plus exactement. Si sur le chat vous avez la réponse, dites-la nous. Ouais. Et oui, en effet, c'est directement dû à ça, c'est-à-dire que quand on commence à éradiquer un maillon de l'écosystème, parce qu'il faut voir que les virus, bactéries et tout ce qui est parasitaire, par exemple la malaria, est intrinsèquement lié aux populations de moustiques. Bon, il y a de plus en plus de monde qui dit que lorsqu'on va éradiquer tous les moustiques, par exemple Aedes albopictus, on n'entendra plus parler de malaria, enfin tout reste à voir, enfin faut voir quoi, c'est dangereux d'imaginer qu'en supprimant un maillon de la chaîne trophique d'un écosystème, rien ne se casse la gueule par la suite. Enfin, c'est complètement utopique de penser ça. Et en éradiquant justement les populations de renards, par souci, ne serait-ce que de préserver le poulailler ou tout simplement de diminuer la proportion de contraction d'échinococcose dans les populations humaines, on fait face à un nouveau problème. Et en fait, c'est un problème donc de zoo, comment on appelle ça? De saut d'espèces entre un parasite de la souris puis du renard vers un parasite de la souris puis de l'homme via l'éthique. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est un phénomène qui est observable et généralisable à un grand nombre d'écosystèmes. C'est-à-dire que il y a tellement de choses, tellement de process que l'on ne connaît pas au niveau des écosystèmes de la planète, tellement de diversité, ne serait-ce qu'au sein des écosystèmes et au sein des populations animales, qu'il est extrêmement difficile de prédire et d'arriver à avoir la certitude que, en perturbant quelque chose, on ne va pas avoir des effets justement de levier qui vont perturber d'autres choses et déclencher en fait des réactions en cascade au sein de nos écosystèmes et arriver à des conditions désastreuses à la fin. Donc, Yann, je crois. Ouais. Est-ce qu'il y a un consensus scientifique justement sur le lien entre l'apparition du Covid et les pertes de biodiversité? On entend beaucoup de lien avec les élevages industriels, justement, proches des forêts, proches des chauves-souris. Est-ce qu'il y a un consensus? Tout le monde est d'accord. Jean-Baptiste, je permets d'interrompre avant la réponse. Océane nous dit sur le chat que Borrelia
Alors, je vais mal le prononcer, Burgdorferis, c'est une bactérie. Voilà, Ah, d'accord, c'est une voilà. bactérie. Bon, Voilà. bah, tant mieux. Je te laisse répondre, désolé Jean-Baptiste. La question était, est-ce que du coup on a un lien entre diversité spécifique et apparition de zoonoses? Et Covid, Et bien vrai. Covid. Ouais. Et que tout le monde est d'accord et qu'il y a un consensus Est-ce scientifique qu'il y a un là-dessus? consensus scientifique, ouais. Consensus scientifique, je ne sais pas, je ne pense pas. Je crois pas, hein. Je Il y a crois des pistes de réponse et il y a un consensus à propos de ces pistes de réponse, c'est-à-dire que le Covid-19 ne serait pas arrivé, déjà, un, si on avait pris les devants politiquement, si on avait pris les devants socialement et économiquement. Bon, et du coup, tout ça se résume en une prise de décision politique au départ. Après, pourquoi, enfin, comment est-ce que le Covid-19 est arrivé est arrivé en fait à faire le saut entre la chauve-souris et l'être humain? Ça, il y a diverses hypothèses. Et les plus probables sont un saut d'espèce dû à la consommation de viande. Au vu de ce qui est connu et de ce qui est renseigné au niveau justement de comment est-ce que sont stockés les animaux à abattre avant consommation, notamment sur les marchés ou les restaurants chinois, lorsque vous avez un animal qui est mis en cage avec d'autres animaux, pas forcément des mêmes espèces, c'est déjà un animal stressé et probablement immunodéprimé. Donc s'il est déjà malade, ça va poser un problème. Parce qu'un animal immunodéprimé, ça devient juste un pool viral ou bactérien absolument énorme. Donc à partir du moment où quelqu'un fait l'abattage ou ne serait-ce que utilise la viande de manière peu éthique, enfin de manière peu, comment on appelle ça, de manière sale et pas respectueuse des normes de sécurité, comme c'est très souvent le cas dans des sociétés relativement peu ouvertes, enfin, qui ont relativement peu accès justement à des normes d'hygiène et de sécurité telles qu'on les connaît nous, on arrive justement à des transmissions à des zoonoses, c'est-à-dire que le virus par échange sanguin ou ne serait-ce que par diverses comment dire, opérations d'abattage va arriver à passer vers l'homme. C'est le cas pour Ebola, hein. Ouais. Ebola est probablement dû à un problème au niveau de l'abattage de viande de singe, parce que au sein de l'Afrique noire, là, souvent, la viande de brousse, c'est quelque chose qui se consomme de manière courante, ne serait-ce que dans les grandes villes. Et on arrive à une promiscuité justement animale et humaine qui est complètement délirante. Mais cette promiscuité, elle est due à quoi? C'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que est-ce que c'est parce que dans les systèmes tropicaux où on voit le plus de zoonoses apparaître, c'est parce qu'en fait la diversité est plus élevée? Bah, en partie oui, parce que ça peut s'expliquer par justement juste de la mathématique de fréquence. C'est-à-dire que si vous avez plus d'espèces, vous avez plus de possibilités à ce qu'il y ait des Oui. zoonoses si ces espèces-là sont plus exposées aux êtres humains. Mais par contre, au niveau local, bah, c'est pas dit, parce que si au niveau local vous avez énormément de diversité et que l'écosystème est en bonne santé, vous allez avoir une réduction de la probabilité de contracter et d'apparition de zoonoses. Parce que la zoonose n'apparaît que si enfin, alors ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais la zoonose a tendance à apparaître si l'écosystème n'est pas en bonne santé et qui commence à être fragmenté, qui commence à y avoir des perturbations au niveau de la chaîne trophique, et que justement, on arrive à un point de rupture. Juste pour. Parce que dans le chat, ça a réagi. Alors, il y a Pierre Ganneau, le vice-président de Coscience, qui nous dit le Covid-19 ne serait pas arrivé si on ne mangeait pas autant de viande. Merci JB. Donc, il te remercie. Voilà. Hein, en tant que végétarien, c'est normal. Et il nous fait une super blague et je voulais vous la faire parce que vraiment, elle est Non très mais très non, mais faut bonne. pas la lire celle-là. Si c'est une poule immunodéprimée, c'est une poule à virus. Bon, c'était une petite blague de scientifique. Voilà. Merveilleux. Magnifique. Juste, je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, et après je laisserai la parole à Florian. Mais en fait, c'est vrai que au niveau de l'échelle locale sur les écosystèmes, la fragmentation, c'est sûr. Mais c'est vrai que l'échelle globale, la biodiversité, mais c'est normal en fait. C'est un facteur, comme tu disais, c'est la fréquence. C'est-à-dire que si tu augmentes ton nombre d'espèces, automatiquement, tu augmentes ton nombre de réservoirs de virus, de bactéries, etc. Donc tu vas avoir plus de zoonoses. Et d'ailleurs, dans Tout à les fait. pays où il y a
une biodiversité, une forte diversité spécifique au niveau de la faune, tu vas avoir un nombre important de zoonoses. Mais à l'échelle locale, la fragmentation des écosystèmes, clairement, ça augmente le nombre de zoonoses, que ça soit dans des pays où la biodiversité est riche ou que ce soit dans des pays où la biodiversité est plus pauvre. Et Yann, ouais, je vois que Ouais, dans ces cas-là, enfin, on ne pourrait pas être tenté, si on était chinois, de faire comme à Sumatra et d'exterminer ces réservoirs à biodiversité et de planter des palmiers. Et au moins, on règle le problème. On massacre les chauves-souris, bien évidemment, au passage. C'est ce que tu Ah disais un oui, peu, Florian. C'est ce que tu disais un peu, Florian, sur la première hypothèse. Ah, mais On je flingue tout, pense que quoi. Ça c'est peut être une une réaction. possibilité, une possibilité absolument débile et irresponsable, mais une possibilité. Oui, mais Enfin, en c'est-à-dire quoi? qu'à partir du moment, enfin, je vais expliquer pourquoi est-ce que c'est débile et irresponsable. C'est parce que, enfin, c'est comme, par exemple, moi, je prends toujours cet exemple-là. Pendant le grand bond en avant en Chine, Mao Tse-tung avait vu que bah, les moineaux perturber les récoltes parce qu'ils picoraient les semis. Donc, du coup, ils se sont mis à tuer tous les moineaux et le résultat, en fait, c'est que ça a été une année suivante avec une population de moineaux totalement exsangue. Et il se trouve que les moineaux, bah, bon, oui, c'est des granivores, mais ce qu'ils mangent la plupart du temps, c'est des insectes et notamment des insectes pathogènes des cultures. Donc, les Chinois se sont mangé une famine monumentale, bon, ne serait-ce qu'à l'inanité du grand bond en avant et à la façon dont ça avait été organisé au dépit de tout bon sens. Et ensuite, dû au fait qu'ils avaient perturbé les écosystèmes de manière totalement ahurissante, c'est-à-dire qu'ils avaient supprimé une espèce qui faisait automatiquement de la régulation des populations d'insectes sans être payé, sans avoir besoin de demander quoi que ce soit aux sociétés humaines, et ont aggravé en fait leur famine. Donc, si vous voulez détruire des écosystèmes et remplacer ça par du palmier à l'huile qui est particulièrement rentable actuellement, ne serait-ce que par les ventes de Nutella. Bah, vous pouvez. Enfin, c'est une décision politique qu'il va falloir assumer pour les générations futures. Mais après, il va falloir demander pourquoi est-ce que les sols s'érodent, pourquoi est-ce que vous avez des possibilités justement de diminution de ne serait-ce que le rendement de ces palmiers à l'huile qui vont être pitoyables. Parce que en supprimant et en déforestant, vous allez forcément supprimer une partie de la biodiversité que personne ne fait attention et auquel personne ne porte un grand intérêt, à part certains fous furieux comme moi qui étudient la question. Qui est justement l'écosystème du sol. C'est-à-dire qu'au sein du sol, on a le plus grand réservoir bactérien et fongique du monde, si ce n'est d'archées, puis de bactéries ciliées, enfin de ciliées, d'organismes invertébrés, etc. Donc, et l'architecture de cet écosystème est particulièrement, c'est-à-dire est intrinsèque avec la bonne santé de l'écosystème qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire des plantes, etc. À partir du moment où on détruit la couverture végétale, on détruit aussi l'écosystème sol. Et du coup, on diminue les rendements, on diminue la fertilité des sols, on salinise aussi les sols parce qu'on a un lessivage accru et du coup des accumulations de oligoéléments et de macroéléments dans des vallées versantes, etc. Et du coup, en fait, on va détruire un écosystème à un point donné pour pouvoir éradiquer une population hypothétique je sais pas moi, chauve-souris par exemple, ou pangolin, ou quoi que ce soit, mais en fait, ça va se répercuter à tous les écosystèmes aux alentours, parce que, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever un maillon de la chaîne d'interaction écosystémique sans perturber l'ensemble de cette chaîne d'interaction. Et c'est ça qui est important à prendre en compte, et il faut jamais raisonner de façon à « Ah là là, cette espèce-là nous embête, alors on va la supprimer. » Non, non, c'est « Cette espèce-là nous embête, alors on va comprendre pourquoi est-ce qu'elle nous embête et comment est-ce qu'on peut éviter le fait qu'elle nous embête. » Mais en supprimant les choses, on n'arrive jamais à résoudre quoi que ce soit. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est que aussi on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça fait de supprimer une espèce. Supprimer une espèce, on n'a pas toutes les interactions, on n'a pas toutes les relations. Et Florian tout à l'heure parlait des facteurs abiotiques et biotiques, des facteurs, des caractéristiques chimiques et physiques d'un milieu. Bah, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement. C'est très compliqué en fait. C'est très compliqué de se dire, bah, tiens, on va supprimer simplement cette espèce. Et puis voilà, on n'a pas toutes les données non plus. D'où l'importance de faire de la recherche autour de ça. Et je voulais juste vous lire ce que la Fondation pour la recherche sur la biodiversité a émis dans une tribune sur son site internet, très intéressante. Hein. Je mettrai d'ailleurs pas mal de liens dans la description de la vidéo, et notamment celui-là. Ils disent simplement, réduire les pressions anthropiques sur l'environnement est un objectif qui peut être décliné à court terme sans attendre nécessairement que les impacts précis de ces facteurs sur différents composants de la biodiversité ne soient complètement élucidés.
Donc, c'est-à-dire que même si effectivement il y a certaines choses qu'on ne sait pas, et même si on met des doutes sur des interactions les uns avec les autres, réduire les pressions anthropiques sur l'environnement, c'est quand même important parce que c'est pas que les maladies, c'est pas que les zoonoses dont on parle. C'est que en fait, il y a les zoonoses, il y a ce que tu disais, c'est-à-dire tous les autres services écosystémiques auxquels l'écosystème est J'aime relié. vraiment pas ce mot. Oui, je sais que toi, tu n'aimes pas trop quand on parle de services, mais effectivement, ça nous procure des services gratuits et c'est important en fait d'avoir ces services-là. Le sol, les zones humides sont hyper importants et sans parler forcément de zoonoses. Donc la zoonose est importante et de détricoter ça ce soir, c'est important, mais je trouve que c'est aussi important de se dire qu'on réduit les pressions anthropiques sur l'environnement, ça n'a pas besoin d'attendre qu'on ait des infos précises et des connaissances précises par rapport à tout ça. Et je crois que Florian, toi, tu voulais intervenir depuis un moment, non? Oui, j'essaye. Dans ce qui a été dit, je pense qu'il faut, sur la transmission des virus ou des bactéries, je pense qu'il y a, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, hein, parce qu'après, effectivement, moi, je ne suis pas spécialiste du domaine, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi, pareil, une question de la temporalité par rapport à la biodiversité, à savoir que, oui, on peut considérer qu'effectivement, la biodiversité est une réserve de pathogènes, d'un ensemble de choses qui peuvent nous attaquer en quelque sorte, nous desservir en tant qu'individu, mais que c'est peut-être aussi une conséquence, on va dire, dans une temporalité courte, c'est-à-dire localement, à l'échelle d'une vie humaine, mais qu'à l'échelle de l'évolution, la biodiversité peut servir aussi justement à la résistance et à la capacité de se remettre d'un ensemble de Surprise. cohabitation avec ces espèces, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, à court terme, on peut considérer que la biodiversité peut être dangereuse si on ne connaît pas les relations qu'il faut avoir. Par exemple, il y a certaines espèces de tortues, si vous les touchez avec les mains, alors que c'est une espèce commune, la tortue, enfin, c'est une espèce commune. Quand vous touchez une tortue, si vous ne lavez pas les mains après l'avoir touchée, vous êtes susceptible, effectivement, d'avoir un ensemble de bactéries spécifiques qui peuvent poser problème par ailleurs. Et donc, il y a une éducation de notre rapport à certaines espèces ou de notre manière d'être avec eux, de coopérer avec eux, qu'il faut mettre en place effectivement pour pouvoir cohabiter avec eux. Et ce qui me semble intéressant, c'est que cette cohabitation, certes, elle peut paraître dangereuse, mais en même temps, au long terme, elle peut être aussi une ressource, enfin une ressource du coup, ça serait mal considéré, mais elle peut être aussi l'occasion d'avoir une relation plus riche et plus durable avec l'ensemble de ces espèces. Ce n'est pas simplement des ressources pathogènes, même si effectivement c'est comme ça qu'elles se posent immédiatement, parce que c'est comme ça qu'on les remarque et que c'est plus difficile de remarquer quand la coopération se passe bien, en quelque sorte. Après, sur les pratiques alimentaires, je pense qu'effectivement, alors, on pourrait accuser le fait de manger de la viande, comme c'était indiqué, mais ce n'est pas que le fait de manger de la viande, je pense que l'exploitation animale en général, parce que même sans les manger, le problème peut se poser. De ce que ça entraîne en termes de destruction d'espace pour la forêt ou d'autres milieux. Et même si, il me semble, de ce que j'ai lu, même si on ne mange pas, par exemple, la chauve-souris directement, ne serait-ce que la bave d'une chauve-souris qui tombe sur un fruit, je sais pas, une banane ou un Oui, certain. ou des excréments, ou enfin, il y a diverses possibilités pour que un parasite fasse justement complète son cycle. Voilà, donc c'est pas, on n'est même pas obligé en fait. Enfin, la viande, certes, enfin, l'exploitation animale en général a une responsabilité dans le problème. Mais après, le fait de manger de la viande en soi, c'est pas la seule occasion en fait de pouvoir contracter le virus. Ça peut être aussi dû à d'autres interactions qui sont importantes, je pense, à mettre. J'aimerais rebondir du coup sur la question de Pierre qu'il a posée dans le chat avant son commentaire ultra bizarre. Du coup, il a parlé du fait que, comme tu disais, manger de la viande, ça augmente la possibilité de créer des zoonoses. Bon, oui et non en fait. Tout dépend comment est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que actuellement, l'exploitation industrielle du vivant et notamment des animaux pose problème, ne serait-ce qu'au niveau écosystémique global, par l'émission de méthane que cela procure et par la destruction des forêts et
des écosystèmes que cela entraîne, ne serait-ce que pour pouvoir cultiver le soja nécessaire à la production animalière. Le fait est que si on arrive à imaginer une production locale respectueuse de l'environnement, il est tout à fait possible de produire de la viande de façon éthique, sans avoir forcément à détruire la planète avec le process de production. Voilà. Oui. Tout dépend comment est-ce qu'on organise la production humaine. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jean-Baptiste, et c'est vrai que quand Pierre dit « si tu arrêtes de consommer de la viande, on s'en fout de comment des méthodes de consommation », moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'en fait, je pense que les méthodes de consommation et les moyens de production, c'est justement ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'on peut parler d'exploitation animale, on peut parler aussi d'exploitation végétale. Quand on fait des champs entiers de palmiers à huile qui, au niveau génétique, ont une diversité pourrie, pour moi, c'est ça le problème. Et c'est pas parce que tout le monde devient végétarien que forcément, sur ces aspects-là, on va changer les choses. D'ailleurs, là, tu as abordé le problème épineux de nos systèmes agricoles actuels, qui est la pauvreté génotypique l'homogénéité de génétique. Il y a un problème actuel qui fait face de plus en plus, c'est vous aimez les bananes, je suppose. Tout le monde ici aime les bananes. À part quelques trois irréductibles. Écoutez, falloir vite fait qu'on arrive à créer de nouvelles variétés, parce qu'en fait, il y avait une banane avant les années 50 qui était répandue partout et qui a disparu de nos jours, enfin pratiquement disparu de nos jours, parce qu'elle est très sensible à une bactérie en particulier qui attaque les bananiers et qui a fait qu'on est passé de cette variété de banane-là à la variété Cavendish, qui avait la merveilleuse... la merveilleuse capacité d'être, un, d'avoir meilleur goût, et deux, de résister à tout un spectre de pathogènes. Le problème, c'est qu'actuellement, avec justement l'homogénéité génotypique de ces cultures de bananes, on a une progression extrêmement rapide d'un nouveau type de pathogène qu'on n'avait pas prévu. Et la production de bananes mondiales est mise en danger chaque année par justement la fréquence d'apparition de ces pathogènes-là. Et il est très probable que dans les années à venir, l'exploitation de la banane Cavendish ne soit plus rentable. Mmh. Ouais, donc c'était le petit aparté banane. Oui, mais juste finir sur ce que j'étais en train d'essayer de mettre en place. Je pense que il y a un article que j'avais commencé à lire, que j'ai bien parcouru, qui est très intéressant aussi, sur qui se présente comme qui s'appelle La leçon anthropologique des chauves-souris. On peut trouver sur un site qui s'appelle La vie des idées, qui est fait par Antoine Legrand et Frédéric Legrand, qui sont tous les deux. Enfin, il y en a un qui est mène des recherches sur le rapport de l'espace et des savoirs environnementaux chez les peuples montagnards des Philippines. Ce qu'il montre, entre autres, c'est que on a certains peuples effectivement des Philippines qui mangent des chauves-souris couramment, mais qui n'en développent pas pour autant les problèmes dont on parle actuellement. Mmh. Et il n'est pas inconsidéré que éventuellement ce qu'on avait constaté pour en gros, quand la colonisation de l'Amérique du Nord par les colons et la contamination, on va dire, d'une population, l'exposition à certaines maladies, il n'est pas impossible qu'il y ait une inversion de ce phénomène et qu'éventuellement, en fait, on trouve dans les pratiques humaines qui sont mises en place depuis un certain moment, dans certaines populations, éventuellement, une certaine résistance ou une certaine manière de faire avec certaines espèces qui évite les problèmes que nous connaissons avec les manières que nous, l'on a de faire avec l'ensemble des êtres vivants. Et c'est aussi pour ça que c'est particulièrement pervers l'écologie dans laquelle on nous mène actuellement, sachant que ce n'est pas l'écologie, parce que l'écologie, pour moi, c'est avant tout une science, et c'est la science écologique pose des questions à des idées politiques qui étaient déjà là, et qui les prennent ou pas en compte, et qui y répondent de manière plus ou moins différente. Mmh. Et c'est vrai que là, on se dirige vers une écologie, on va dire, autoritaire, qui va être prise en compte par les gouvernements pour dire, voilà, il faut faire comme ça, et c'est très centralisé, et je pense que c'est dommage, parce que justement, en se nourrissant des connaissances locales et d'une manière de mettre en relation certaines populations,
on pourrait avoir une autre forme de rapport à l'écologie, une autre forme de rapport aux êtres vivants qui pourrait être justement plus démocratique, plus informée des conditions locales, des espèces locales, d'un ensemble de choses. Sachant qu'il y a un problème vis-à-vis de ça quand même, qui a été ressorti dans une publication récente, c'est qui montre comment est-ce que notre souci des autres espèces que humaines se met en place. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dû à notre imaginaire et notre manière dont on se développait, on a tendance à avoir d'abord du souci pour ceux qui se rapprochent des êtres humains et pour les espèces charismatiques aussi, ce qui nous rappelle des souvenirs ou des choses que l'on trouve jolies. Et du coup, il peut y avoir un changement dans ce domaine-là, mais ça passe effectivement par une transformation de notre relation à l'ensemble des êtres vivants. Ce n'est pas simplement une décision volontaire de l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va décider soudainement de les prendre en compte ou de s'en soucier de manière, on va dire, rationnelle que ça va se passer. Il faut effectivement la possibilité d'une nouvelle interaction avec ces espèces pour se soucier de choses dont jusqu'à présent on ne se soucierait pas, soit parce qu'on considère qu'elles sont trop différentes, soit même, et c'est le cas pour la biodiversité, parce qu'une grande partie est invisible, c'est-à-dire que, à l'œil nu pour nous. C'est-à-dire que si on ne les connaît pas, effectivement, elles nous échappent. Et c'est bien dommage parce que ça joue un rôle fondamental. Donc il y a un ensemble de relations et de soucis qu'il va falloir pouvoir commencer à remettre en place. Et si ça se met en place de manière autoritaire, non seulement ça sera que sur le court terme et ça ne fonctionnera que s'il y a l'autorité qui est présente et après ça pourrait ne plus fonctionner, il n'y aurait pas forcément les raisons pour le faire, mais en plus ça serait bien dommage parce qu'il y a d'autres manières de faire localement qu'on pourrait organiser, qu'on pourrait mettre en place, qui pourraient éventuellement fonctionner en se nourrissant justement de ces connaissances qu'ont certains peuples locaux, quoi. C'est très intéressant. Juste, ouais. on me glisse dans l'oreillette deux informations par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et je te laisse répondre, hein, Jean-Baptiste. On me glisse, la première information, c'est que le rapport de la FRB, donc la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, que je citais tout à l'heure, indique que la pandémie en cours apparaît liée à des atteintes à la biodiversité, mais on ne sait pas s'il y a une relation de causalité. C'est juste de la corrélation, donc on se dit qu'effectivement c'est peut-être la perte de biodiversité qui aurait pu entraîner cette pandémie, mais c'est du conditionnel, et donc on n'est pas sûr du tout. Et l'autre chose, c'est qu'on n'est pas sûr de la chauve-souris, et que la chauve-souris soit effectivement, c'est un réservoir potentiel du virus SARS-CoV-2, et que donc il y a eu deux publications dans Nature de 12 mars d'équipe chinoise qui indiquent ça, qu'il y a des similitudes, hein, des séquences de similitudes, mais on n'en est pas sûr. On sait que c'est un animal sauvage, mais pour le moment, il y a des doutes quand même sur la chauve-souris. Voilà, je voulais juste indiquer ça. Oui, non, je tiens à dire que je n'ai rien affirmé. Hein. Oui, non, voilà, c'est du conditionnel, pour bien le dire. Ouais. Moi, j'aimerais réagir à ce qu'a dit Florian tout à l'heure, qui était que, en fait, on a justement une. Enfin, je suis d'accord et pas d'accord avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'on arrive à infléchir la vision du vivant et de l'exploitation du vivant qu'on a actuellement. C'est absolument nécessaire, ne serait-ce que pour la survie de l'humanité dans les prochaines années. Prochaine décennie, ouais, soyons optimistes. Donc au niveau de ça, il n'y a aucun problème. Par contre, au niveau de l'échelle locale, en effet, oui, on a énormément de possibilités, notamment par l'agroécologie et l'agroforesterie, à repenser notamment la production principale qui pose problème dans le cadre de la destruction des écosystèmes, qui est la production agroalimentaire, notamment la production agricole. Au niveau de cette production agricole, oui, il est extrêmement clair qu'il faut la penser à un niveau local et à un niveau de distribution qui soit lui aussi local. Et au niveau de cette distribution-là, il va falloir qu'on fasse énormément d'efforts de façon à pouvoir penser la consommation agricole. Ne serait-ce que, par exemple, lorsque vous allez acheter un fruit, enfin, je sais pas, une tomate, bah, il serait préférable que ce soit une tomate qui ait été cueillie et cultivée il y a 5 km du lieu de cueillette, plutôt qu'une tomate qui soit en provenance du Pérou, même avec le label bio. Hein, la tomate en provenance du Pérou avec le label bio, elle aura fait quand même beaucoup plus de kilomètres en tanker ou en avion que la tomate un peu plus chère la tomate un peu plus chère qui a été produite par un agriculteur local. Donc il va falloir réellement qu'on arrive à
démondialiser la production agricole. Parce que il va falloir que chacun des pays qui produit justement ses capacités alimentaires soit capable de produire à l'échelle locale et avoir une autosuffisance à l'échelle locale. Cela va se traduire justement par une centralisation de cet effort-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir coordonner un effort local si on n'a pas justement quelque chose à une échelle nationale. Je pense que les échelles supranationales, il n'y a que les... Bon, bref, ça va être très dur de pouvoir organiser ça parce que l'échelle supranationale n'est pas communément acceptée par l'ensemble des sociétés humaines actuelles. Donc, à l'échelle nationale, il va falloir une réelle volonté politique de centraliser la décision de décentraliser les consommations et production agricole. Et c'est extrêmement important d'avoir cette idée en tête parce que au niveau justement de l'organisation des écosystèmes naturels et notamment des agro-écosystèmes, une vision globaliste des choses est absolument nécessaire. Parce que lorsqu'on travaille sur un écosystème local, il faut aussi en prendre en compte tous les écosystèmes alentour et les chaînes trophiques et les interactions écologiques qui occurrent dans ces systèmes-là. Et donc, par exemple, pour pouvoir arriver à faire de l'agroécologie, il faut arriver à penser les relations écologiques entre les espèces de plantes cultivées et les espèces de plantes sauvages de façon à avoir un tout qui soit homogène et qui puisse en fait bénéficier aussi bien à la santé de l'écosystème qu'à la santé des populations humaines qui font cette production. Alors, sur ça, sur cette perspective-là, je suis d'accord dans la mesure où, je vais peut-être insister sur l'aspect local, mais c'est vrai que les informations vont venir des populations locales elles-mêmes. Après, l'idée de la centralisation, pour moi, j'ai l'impression de retrouver les questions qu'on trouve dans d'autres domaines, on va dire, politiques. Parce que, par exemple, quand on parle de démondialisation, pour moi, c'est avant tout peut-être une sortie du capitalisme. Et cette sortie du capitalisme, après, au lieu de se traduire par une centralisation, on va dire, locale, qui va effectivement prendre en compte cette interaction qu'il va falloir gérer, je pense qu'elle peut aussi se baser comme c'était par une fédération. C'est-à-dire qu'elle n'implique pas une échelle centralisatrice, sous-entendu décisionnelle. Ça peut être les groupes locaux qui informent de ce qu'ils ont et ce qu'ils peuvent faire et qui décident ensemble effectivement à travers un fédéralisme de ce qu'il faudrait faire. Ça c'est un choix politique. Ce que tu décris là, c'est une vision très macnovienne des structures sociales et de la production. On part sur du débat idéologique, quoi. Oui, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a cette nécessité de mettre en liaison des lieux différents qui seront confrontés à des géographies différentes parce qu'effectivement c'est pas pareil partout. Je suis d'accord, mais c'est vrai que ce souci-là, je pense que cette manière de penser ou de faire, je pense qu'elle est importante parce qu'elle se traduit là pour les virus ou pour la discussion que l'on a là, mais on la trouve sur d'autres questions. Il y a un livre qui avait été fait récemment qui pensait ces questions, c'était celui de, je sais pas si vous le voyez là, Quand la forêt brûle. Qui lui justement partait des questions des méga-feux, de l'apparition des méga-feux, dont le terme qui ont connu quelques publications scientifiques pour distinguer justement qu'est-ce qu'on peut vraiment appeler un méga-feu, ce qui pose déjà en soi question, mais qui montrait qu'effectivement il y avait ce qu'on appelait avant et localement, et il y en a à certains endroits, des pyrocultures, donc des manières d'avoir une relation avec le feu qui permettait d'entretenir une certaine distance et une certaine manière de faire pour éviter justement des feux qui se propagent partout. Mais un nouveau problème est apparu, et là je pense qu'il va se poser le même, et qui est venu endiguer la seule réponse, ou on va dire la réponse par effectivement ces seules cultures locales en quelque sorte, qui était le réchauffement climatique. L'amplification du réchauffement climatique a fait que même les réponses locales ou les pratiques locales qui auparavant pouvaient être suffisantes sont soudainement confrontés à peut-être un ensemble de limites. Et c'est vrai que, par exemple, l'apparition, la fonte du permafrost, avec la naissance de ces nouveaux virus ou bactéries, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé de ça. Je suis moins à l'aise sur les termes. C'est vrai que ça peut poser des questions qui
éventuellement vont poser des problèmes d'organisation. Mais même sans la forme du permafrost, moi, ce que j'avais compris, c'est par rapport aux migrations, par exemple. Le changement climatique engendre des changements dans les migrations des oiseaux, et donc, par exemple, ou d'autres espèces, et par exemple, dans la transmission du chikungunya ou d'autres maladies, des zones qui n'étaient pas avant touchées peuvent maintenant être touchées parce que le réchauffement touche d'autres zones. Et du coup, ce changement climatique, amplifié par les activités humaines, va poser des questions vraiment. Mais... En fait, ce que tu dis au niveau des activités humaines, c'est-à-dire qu'on a un changement climatique, mais qui est indissociable de l'érosion de la biodiversité. C'est-à-dire que c'est les activités humaines qui provoquent l'érosion de la biodiversité et le réchauffement climatique. Et ce sont en fait des phénomènes concomitants qui agissent en fait de manière totalement imbriquée les uns dans les autres. C'est-à-dire que si on commence à perturber les écosystèmes et que... Donc, ne serait-ce que par l'activité humaine et que ces écosystèmes sont une nouvelle fois perturbés par le réchauffement climatique, on va avoir en fait deux layers, comment on dit ça, couches de perturbations qui vont arriver de manière concomitante et provoquer des phénomènes encore plus aggravés. Mais voilà, donc après, Florian, tu as parlé du pergélisol aussi, donc du froid de la Sibérie et de ce qui se passe dans le Grand Nord, ne serait-ce qu'au Canada ou dans les pays scandinaves. Et en effet, c'est préoccupant. C'est-à-dire que c'est préoccupant d'un point de vue climatique, parce que le permafrost est un biome qui comporte au niveau du pergélisol énormément de méthane qui a été piégé là par des années et des années, enfin des milliers d'années de gel justement de cet écosystème là et donc du coup d'absence d'activités métaboliques qui ont été stoppées. Et c'est cette activité métabolique des bactéries notamment qui provoque, en fait c'est des bactéries méthanifères qui avec la fonte se réveillent et commencent à se multiplier et à produire du méthane. Et en fait le truc c'est que quand tu fais une carotte de sol au sein du permafrost, tu vas pas voir particulièrement plus de méthane que ailleurs. Enfin, je crois pas. Hein. Là, je parle sans avoir vraiment de données à ma disposition. Mais par contre, l'activité métabolique, l'activité bactérienne et fongique, enfin l'activité microbienne au sein de ces sols, va permettre justement une méthanisation de l'atmosphère qui est monumentale. Et du coup, l'arrivée en fait d'effets leviers et d'effets de bascule au niveau du réchauffement climatique, tout à fait faramineux. Je crois que Jean-Baptiste, Yann veut intervenir depuis, je crois, un certain moment, mais finis, et après c'est à Yann. Ok, donc je finis rapidement sur le côté justement de l'inconnu en fait qui est inhérent justement au pergélisol, qui est en fait le fait que une bactérie ou même un organisme unicellulaire microbien, ça résiste très très bien à la congélation sur du très long terme, genre du très 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 long terme, genre des millions d'années ou des milliers d'années. Et il n'est pas du tout incorrect de penser que au sein de ces microbiomes on puisse avoir des espèces virales, bactériennes, fongiques qui soient tout à fait inconnues de l'être humain actuel, tout simplement parce que l'être humain n'a jamais coexisté avec elle, et on appelle ça des genres et des espèces microbiennes qui datent de la préhistoire ou même avant même que des humains aient foulé les terres arctiques. Et ça pose un très gros problème parce que l'évolution fait que on se blinde immunitairement vis-à-vis des infections que l'on connaît. C'est-à-dire que le Covid-19, si ça a une telle proportion et une telle infectiosité, c'est bien parce que notre appareil immunitaire n'y est pas adapté, c'est-à-dire qu'il répond trop fort à l'infection. Eh bien, imaginez-vous un pool monumental de 100 fois les zoonoses potentielles dues à la destruction d'habitat. Je dis 100 fois, hein, mais c'est histoire de montrer que c'est extrêmement important, hein, au niveau du pergélisol. C'est-à-dire que tous les ans, on retrouve des troupeaux de rennes totalement morts, comme ça, tous les rennes
sont morts, genre 80 à peu près, 80 individus, un troupeau. Donc vous trouvez 80 individus de rennes, comme ça, poum, morts dans la toundra, et on ne sait pas réellement qu'est-ce qui les a tués. Il n'y a pas non plus réellement d'expertise scientifique qui est amenée là-dessus, parce que, ne serait-ce qu'en Russie, l'exécutif russe n'a pas vraiment envie que... Vu que c'est eux qui disposent de la réserve la plus importante de pergélisol et de permafrost du monde, ils n'ont pas vraiment envie que y ait les autres pays qui viennent à penser que le danger vienne encore plus de la Russie qu'actuellement. Donc voilà, donc ça pose problème et il faut faire extrêmement attention de comment est-ce qu'on va gérer cette crise biologique à venir. Yann. Alors justement, est-ce que il y a suffisamment de financement pour ce type de recherche? On a l'air de comprendre un peu ce qui se passe, mais est-ce que c'est le parent pauvre? Est-ce que, en fait, je pense qu'on pourrait réduire ta question à est-ce qu'il y a suffisamment de financement de la recherche? Et clairement non. Clairement non, pas du tout, parce que actuellement, bon, ne serait-ce qu'en biologie, y a des financements, mais très peu nombreux, et puis souvent, en plus, avec le crédit impôt compétitivité recherche, c'est le CI. Oui, ouais, je me souviens plus. Ouais, c'est ça. Crédit impôt compétitivité recherche, cette abomination qui a été pensée par Sarkozy et reconduite par tous les gouvernements successifs, qu'ils soient de gauche ou macronistes, et qui a été reconduite par Macron d'ailleurs, en fait, en gros, ne sert absolument pas à la recherche, mais juste à engraisser les financiers qui sont derrière des infrastructures pharmaceutiques. Tout simplement, en fait, en gros, le problème est que il y a une volonté de l'État de ne pas faire de recherche. Et ça, mais c'est commun à tous les États du monde, hein. C'est-à-dire qu'il faut absolument, dans l'idéologie néolibérale, désengager l'État, que ce soit les entreprises qui financent la recherche, les partenariats avec le privé, les partenariats avec les industries, l'agroalimentaire, c'est merveilleux. Donc du coup, en tant qu'écologiste microbien, moi je me retrouve en fait à faire un travail financé majoritairement par une firme particulièrement, particulièrement respectueuse de l'environnement et des sociétés humaines, qui s'appelle Monsanto. Le truc, c'est qu'en tant que chercheur, moi par contre, je ne fais absolument rien qui puisse permettre à Monsanto de mettre du brevet sur le vivant ou quoi que ce soit. Hein. Mais par contre, j'étudie comment est-ce que leur cultivar transgénique se comporte au niveau de la diversité microbienne. Donc eux, ça les intéresse parce qu'il y a une potentielle, il y a une potentielle contrepartie qui est je vais trouver un microbe, notamment une bactérie, qui va permettre justement de multiplier par 2, 3,5 le rendement en graines du canola, ou la possibilité d'optimiser en fait la somme des intrants qui sont mis dans les champs et du coup de perdre moins d'argent en intrants. Ça mis à part, je suis aussi tout à fait, il est tout à fait possible pour moi de trouver des résultats qui montrent que leurs variétés OGM, elles sont nocives, elles sont nocives aux communautés fongiques ou microbiennes. Mais je veux juste rebondir sur ce que tu dis et après je laisse la parole à Florian. Mais je pense que de manière générale, il y a une problématique de financement de la recherche. Ça, clairement, que ça soit de ton côté en Amérique du Nord ou de notre côté en Europe et notamment en France, il y a cette problématique-là. Après, moi, concrètement, je trouve qu'effectivement, il faut être ouvert sur les financements parce que on a de moins en moins de financement public. Et donc, on est obligé de s'orienter vers du financement privé. Et c'est, alors, pour moi, effectivement, il y a un danger, mais il y a aussi potentiellement des opportunités si l'État l'encadre. Et là, on sort un peu, je trouve, de la thématique de la soirée. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout, parce que l'État, auparavant, investissait massivement dans la recherche scientifique lorsqu'il y avait encore un État-providence en France. Et la recherche scientifique se portait relativement bien. Après, je vais parler de classement, etc., même si je suis totalement en désaccord avec le fait de classer la recherche, mais on était dans les classements des meilleurs mondiaux en matière de recherche en écologie, microbiologie, génétique, etc. Actuellement, on a dégringolé à la 11e place mondiale en matière de toute recherche confondue. Et bon, c'est pas un drame, mais le problème, en fait, c'est qu'il y a, même avec l'apport du privé, une diminution constante
des efforts financiers liés à la recherche scientifique. C'est-à-dire que les plateformes privées qui sont prêtes à s'investir dans la recherche ne le sont pas au même niveau que une plateforme étatique. C'est-à-dire que si le ministère de l'Environnement décide demain, il faut absolument qu'on comprenne ce qui se passe dans les sols agricoles, ils vont être capables de mettre des milliards et des milliards sur la table. Est-ce qu'une entreprise qui a par souci principal de rémunérer ses actionnaires sera capable de faire la même chose sans potentialité de revenus sur investissement après 5 ans d'études? Clairement, non. Et c'est pour ça que l'entreprise privée et le secteur privé ne sera jamais capable de remplacer le secteur étatique dans le financement de la recherche. Et c'est pour ça que la recherche en général au niveau mondial va si mal. Juste, on ne va pas passer trop de temps sur cette question, alors juste parce qu'effectivement, je vois qu'il nous reste à peine un quart d'heure et qu'il y a d'autres éléments. Florian, si tu veux réagir peut-être rapidement par rapport à ce qu'a dit Jean-Baptiste. Oui, alors rapidement, ça serait juste pour dire qu'effectivement, la question du financement de la recherche, c'est une question qui pose problème à différents niveaux d'un point de vue éthique, notamment quand on demande effectivement, moi je l'ai vu sur les nanotechnologies, mais dans d'autres domaines aussi, quand on demande aux chercheurs, alors qu'ils n'ont pas encore fait leur recherche, justement pour obtenir un budget de recherche à l'avance, de dire à l'avance à quoi va mener leur recherche, alors que précisément le but de la recherche, c'est qu'on ne sait pas. Et du coup, on se retrouve avec des chercheurs à qui on demande, les professeurs, j'ai vu faire à la fac de sciences, leur disent aux élèves, ben, placez bien dans votre demande, dans votre projet, que vous faites des mots-clés qui vont apporter du financement, donc sur l'écologie, la santé, sur certains aspects qui pourraient, sur les nanotechnologies, même quand vous ne faites pas des nanotechnologies, mais parce que c'est le budget à la mode en ce moment, sur certaines choses de cet aspect-là, qui vont effectivement, en quelque sorte, contraindre des chercheurs à faire des pratiques que par ailleurs ils ne feraient pas s'ils avaient effectivement d'autres moyens de faire la recherche. Donc il y a ce problème-là. Il y a le problème après des entreprises qui, même si des recherches sont faites, ensuite nient le résultat, nient avoir connaissance du résultat de ces recherches. Donc on s'est retrouvé par exemple avec British Petroleum qui pendant un moment avait connaissance depuis, si je ne me trompe pas, c'est bien British Petroleum, depuis 1981, elles avaient connaissance des conséquences de son activité sur le réchauffement climatique, mais elles ne l'ont jamais publié, elles ne l'ont jamais fait savoir, et ce n'est que récemment, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, que des recherches ont pu montrer qu'en fait, voilà, elles avaient ces connaissances, mais qu'elles ont tout simplement pas mises en avant. Et enfin, même les réponses qui sont parfois fournies dans ces domaines-là, au niveau écologique, là je pense par exemple notamment en développement durable, par exemple il y a des quotas mondiaux de ce qu'il faudrait, d'un ensemble d'énergie renouvelable qu'il faudrait mettre au point. Mais du coup, c'est à des niveaux mondiaux que se prenne la décision de « tiens, on va mettre un parc d'éoliennes à tel endroit ». Et donc, par exemple, on se retrouve avec toute l'Amérique du Sud qui se retrouve avec des grands parcs d'éoliens, mais qui ont été mis en place sans discussion avec les populations locales. Alors, par exemple, si les populations locales avaient pour ambition, par exemple, de faire de l'agriculture ou de se servir de ces terres pour des projets, effectivement, d'alimentation, mais en fait, on ne leur laisse plus le choix et par des décisions mondiales, on leur dit « bon, ben maintenant, là, on va faire un parc éolien parce qu'il y a des quotas et qu'il faut respecter ces quotas ». Donc effectivement, tous ces problèmes-là de la recherche en général et de comment elle se traduit même quand elle est faite, c'est vrai que ça pose question. J'en dirai pas plus parce qu'effectivement, on s'éloigne un peu. Juste parce qu'il va falloir qu'on termine dans quelques minutes, je voulais revenir sur un point qui pour moi est pas encore très très clair de ce que j'ai pu lire et je voulais peut-être avoir un peu votre avis par rapport à ça, par rapport à l'élevage industriel. L'élevage industriel, effectivement, on en parlait tout à l'heure par rapport à nos modes de consommation. On accuse souvent l'élevage industriel, notamment dans la thématique, hein, quand on lit les différents articles, hein, sur la presse généraliste type Le Monde, Libération, etc. Il y a ce lien entre élevage industriel et zoonose. Pour moi, il n'est pas si clairement établi parce que quand on lit la littérature, les élevages traditionnels sont les élevages qui, au tout début, entraînent justement les zoonoses.
C'est quand on regarde, par exemple, des virus, le virus Nip en Malaisie, c'est notamment parce que c'est des élevages de cochons qui sont en contact avec la faune sauvage, et ce côté contact avec la faune sauvage, et ben, bien entendu que ça entraîne après avec l'humain ce que tu disais un peu tout à l'heure Jean-Baptiste, hein, des sauts d'espèces. L'élevage industriel est contrôlé et normé, et avec des normes hygiéniques, etc. Donc il y a moins pour moi de problématiques en termes de zoonose. Par contre, peut-être effectivement, il y a une problématique, et on l'avait vu avec la grippe aviaire notamment, où vu qu'on a une perte de variété génétique, bah, une moins grande résistance des individus face à un virus, une bactérie qui arrive, qui est nouvelle pour le système immunitaire. Et là, vu qu'ils sont tous homogènes au niveau génétique, Oui, ou quasiment, ça déglingue. Voilà. Mais pour moi, oui, oui. c'est, tu vois, c'est un Jean-Baptiste, Florian, c'est le lien entre élevage industriel et zoonose, et augmentation de zoonose, pour moi, est compliqué à faire, en fait. Voilà. Bah en fait, le truc, c'est que oui, mais il n'y a pas forcément de bien fondé à penser ce lien. Si on veut critiquer l'élevage industriel, il y a suffisamment de matière sans Tout à pouvoir fait. apporter la Sans parler de zoonose. zoonose, exactement, je Donc suis d'accord, je suis d'accord. le problème principal, comme je dis, il faut pas voir la zoonose comme étant une cause. La zoonose est un symptôme du fait que tout va mal. Et quand je dis tout va mal, bon, j'ai pas envie d'être catastrophiste, etc. Il faut que tous les gens gardent espoir, etc. Mais Non, disons on va que finir sur une touche optimiste, hein, s'il oui, te on plaît, va se finir Jean-Baptiste. sur une touche optimiste, qui est qu'on n'a jamais eu autant de challenges et de problèmes à résoudre qu'actuellement. Donc, d'une certaine manière, c'est excitant. D'un autre côté, en tant que scientifique, parce que j'ai dû faire un état des lieux de l'agriculture et notamment des pratiques agricoles actuelles dans le cadre de mes recherches, disons qu'après la lecture de, je sais pas, 800 articles scientifiques sur la question, on se pose réellement la question de se dire, bah, est-ce qu'on est foutu ou pas? Et moi, j'ai tendance à dire que on a les moyens de ne pas être foutu, mais qu'il va falloir avoir la volonté politique pour l'appliquer. Ouais. Et après, je vous laisse être optimiste ou pessimiste quant à cette perspective. Et juste pour rebondir par rapport au chat, il y a Océane qui répond en disant aussi que les conditions d'élevage, donc j'imagine l'élevage industriel, Oui. hein, qui n'aident pas à maintenir des cheptels sains en plus de l'appauvrissement génétique. Tout à fait. C'est Mais vrai, c'est le c'est cas vrai. pour les, mais c'est le cas pour les plantes aussi. Si Oui. vous allez regarder un maïs qu'on cultive dans la région parisienne, vous allez prendre un maïs au début du champ et un maïs tout à l'autre bout du champ, vous faites le séquençage et vous regardez le génome, c'est des individus clonaux, hein. Donc à partir de ce moment-là, vous imaginez bien que si le clone en question est sensible à une maladie ou un parasite quel qu'il soit, un insecte, ne serait-ce que la pyrale du maïs, tiens par exemple, bah, la pyrale du maïs, si elle a qu'une seule variété au niveau de son champ, bah, elle va complètement déboiser le champ. C'est-à-dire que le champ, bah, sa production va être négative. C'est-à-dire que vous avez engagé beaucoup plus de semences pour faire pousser le maïs et d'efforts que ce que ça va rapporter. Par contre, si vous avez la bonne idée de faire de l'agriculture raisonnée, notamment en faisant de la culture de divers cultivars et d'une diversité génétique plus grande au sein du champ en faisant des patchs, ben vous allez avoir certains patchs de votre champ qui vont être certes sensibles à la pyrale, mais qui vont protéger les autres patchs du champ en concentrant justement cette infection. Et le champ va pouvoir devenir quelque chose de positif, même en présence de pyrale du maïs. Et c'est ça, en fait, c'est l'entièreté de notre système de production agricole qu'il faut revoir en encourageant la diversité génétique au sein des cultures, ne serait-ce que des cultures céréalières, mais aussi des cultures d'arbres fruitiers, enfin de tout. Ouais. La diversité génétique, c'est la clé de la transformation de la production agricole de demain. Et si je peux rebondir par rapport à ce que tu dis, parce que je suis tout à fait d'accord, et il y a même aussi d'essayer de voir peut-être à mixer des approches, et donc par exemple l'approche classique qui est je sépare mes territoires, et là c'est un champ, là c'est une forêt, Tout etc., à fait. etc., peut-être mélanger. Et donc c'est pour ça que Notamment l'agroforesterie. l'agroforesteralisme, l'agroforesterie, L'agroforesterie marche très bien, ne serait-ce que dans la production de L'agro-sylvopastoralisme, cacao. voilà, pour moi, c'est vraiment là où justement tu peux le plus mixer une diversité en termes de paysage et une diversité en termes d'espèces.
Et donc là, derrière, avoir des choses vraiment, je pense, très intéressantes pour être plus résilient, en fait, tout simplement. Hein, mais ce que tu disais J'espère sur... que les Chinois nous écoutent et qu'ils vont mettre en pratique tout cela. Mais pas que les Chinois, hein, tout le monde, Pas que les espérons. Chinois, parce que bon, ce serait bien que les Américains le fassent, que Les que les Européens, bah nous, gens hein, du nous, les Canada le Français. fassent aussi, mon Dieu. Ouais. Vous êtes probablement jamais allé dans un champ des Grandes Plaines du Canada. C'est le délire. J'y suis allé en hélicoptère pour vous dire combien c'est grand. Et un champ, quand tu es au milieu, donc moi c'est une espèce donc Brassica napus hein, qui fait de très jolies fleurs jaunes. Vous voyez la roquette qui fleurit jaune et qui produit des petites feuilles si bonnes qu'on met dans les salades. Bah c'est un peu la même chose mais en plus grand. Et vous imaginez en fait une quantité très dense de ça à perte de vue. C'est-à-dire que vous voyez rien si ce n'est des fleurs jaunes. Vous vous tournez, vous allez de droite à gauche, vous voyez des fleurs jaunes partout. Et ça, c'est l'agriculture intensive, enfin, c'est l'agriculture extensive typique des pays développés. En France, on n'a pas de grands espaces comme ça, si ce n'est peut-être que dans la région bourguignonne ou des trucs comme ça, mais enfin, c'est sans commune mesure avec ce qui se fait ici. Et en fait, pour pouvoir polliniser tout ça, donc heureusement, comme nous là, ça se fait par le vent, donc il n'y a pas besoin d'abeilles ou quoi que ce soit. Mais c'est des perturbations écosystémiques, ces productions-là, qui sont sans commune mesure. Et ne serait-ce que pour pouvoir arriver à imaginer l'introduction, par exemple, d'un champ d'une telle quantité, enfin d'une telle superficie peuplée uniquement de cultivars transgéniques, dont on ne connaît pas la possibilité de transmission via les autres espèces adventices, ou ne serait-ce que les autres espèces cultivées qui sont de la même famille, à savoir des brassicacées. Vous imaginez la tonne de pollen transgénique que ça peut relâcher dans l'atmosphère, un champ comme ça. Voilà. Donc il va falloir qu'on transforme aussi cette agriculture-là. Et si vous connaissez aussi la mentalité des gens du Midwest américain, disons que c'est beaucoup plus America fuck yeah que on va respecter la planète. Et ne serait-ce qu'au Canada, malgré le fait que ce soit des gens gentils, hein, c'est pas des gens qui veulent détruire l'environnement, la perception de l'environnement de la part de ces populations qui font de l'agriculture, bonne chance pour leur faire changer d'idée. Juste, on va terminer là, il nous reste quelques minutes. Je voulais finir aussi en parlant de relations, puisque effectivement, vous deux, vous en avez parlé, mais c'est vrai que Florian on a pas mal parlé. Et moi, c'est vrai qu'en préparant cette émission, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais pourquoi faire intervenir un philosophe sur cette question? En tant que philosophe, moi aussi, c'est vrai que, et en lisant un peu la littérature, on s'aperçoit en fait que, et des questionnements qu'on a eus ce soir, hein, que clairement, en fait, les sciences humaines aussi, en plus des sciences écologiques, sont extrêmement intéressantes en fait pour se questionner sur nos relations, sur les valeurs que l'on met aussi sur la biodiversité. Et je pense que, et justement, j'en avais parlé, j'en avais parlé un peu tout à l'heure, mais je reviens sur le rapport FRB. Vous allez dire, putain, le mec, il est scotché sur ce rapport. Mais sur le rapport FRB, ce qui est très intéressant, c'est que à un moment, ils en parlent et ils disent justement que c'est une des questions fondamentales à se poser en fait sur les valeurs, et c'est une question où il doit avoir un rapprochement en fait entre sciences humaines et sciences écologiques, et une vraie interdisciplinarité. Donc j'espère que, bah, pourquoi pas travailler ensemble justement sur ces questions Écoute, à l'avenir, hein, je ça serait suis ouvert intéressant. à toute collaboration. Bon, très bien. Bah, écoutez, en tout cas, je pense que on peut vous remercier Oui, fortement. merci Parce que c'était beaucoup. vraiment très très intéressant. Bah, écoutez, je vous remercie aussi, parce que c'est Voilà. toujours un plaisir de parler des choses Alors que l'on connaît. d'habitude, nous on fait nos événements à l'extérieur, et donc je dis, vous pouvez applaudir maintenant nos intervenants. Donc là, on peut pas le faire. Mais ce que je voudrais, c'est que sur le chat, si vous le voulez bien, on fasse un petit clap. Voilà, un petit clap, un petit applaudissement pour juste vous remercier quand même, ou un petit Après, merci. Guillaume, moi, ce que je peux te proposer, c'est que à la fin du confinement, dans un an et demi, tu viennes au Québec, hein, et puis on fasse ça au Québec. Ok, ma invitation est prise. Allez, on organise ça. Et Florian, et j'emmène Florian et Yann. On
On est obligé d'y aller en avion ou... Ah non, oui. Non, on va y aller en radeau, en canoë. Je sais pas, c'est fini l'avion. C'est fini l'avion. Bon, oh, en tout cas, merci beaucoup Florian, Jean-Baptiste. Merci à toi aussi Yann pour m'avoir accompagné durant cette heure et demie intense. Merci à toi Guillaume d'avoir organisé cette discussion confinée. Et c'est pas fini parce qu'on en organise aussi la semaine prochaine. On n'a pas encore les dates précises, donc je ne vous les donne pas. Mais en gros, effectivement, on en aura deux la semaine prochaine de discussion confinée. Sans doute une sur à peu près la même thématique que la soirée, mais on ira parler avec un anthropologue cette fois-ci. La seconde, on va voir, hein, peut-être d'autonomie alimentaire, d'agriculture. Enfin bon, ouais. si vous avez des sujets, nous on est preneurs. Alors n'hésitez pas à nous les laisser dans l'espace commentaire ou sur le chat directement. On est vraiment preneurs de sujets qui peuvent être intéressants à traiter. Et pourquoi pas d'intervenants. Ou si vous voulez intervenir vous aussi, n'hésitez pas. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme réaction juste pour finir? Oui, alors Pierre qui nous dit encore, tu laisses pousser ta barbe d'ici là, JB. Oui. Non, faut pas que ce soit plus long que ça, après ça devient horrible. Oui, non, là c'est bien. Là je trouve qu'il est bien le JB. Alors on le laisse comme ça, s'il vous plaît. Bon, ok, allez, merci à tout le monde. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis oui, on avait préparé des peluches pour la fin. Enfin, sauf JB, JB n'a pas de peluche. Ouais, parce voilà, que... moi je suis l'exclu du groupe. Mais t'es un microbiologiste, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Voilà, t'as une peluche là. Là c'est une peluche de bactéries. Mais vous la voyez pas, mais moi je sais qu'elle est là. Allez les amis, à très bientôt, à très vite. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir.